Bon, mais Simon, on va vous donner les chiffres là de ce Téléthon. Et de vos chiffres. Ah, de vos chiffres, évidemment. On était une trentaine d'associations diverses sous le chapiteau et sous la haie. Et pour une journée seulement, ben, ça a été sensationnel. On a fait un chiffre, je vais vous le dire par petite tranche. Toutes les associations qui étaient sous les chapiteaux et sous la haie ont récolté 2896 euros. Que le samedi, c'est quand même limité, c'est court. Et à ça, eh bien, on a eu la participation des Lions et des motards qui ont fait un chiffre extraordinaire de 18 000 le total et de 26 727 euros. Je crois quand même que c'est quelque chose qu'il faut applaudir parce que nous avons tous gagné. Voilà. C'est un chiffre qui est vraiment formidable et puis je crois que tout le monde peut se féliciter. Et là, on a quand même fait 400 647 euros pour le Lot-et-Garonne. Ça vous prend 400 000 Comment, pardon? Comment vous avez dit 400 000 647 euros. 400 000, c'est normal. Et la crise. Et puis on a eu, bon, il y a eu des manifestations qui n'ont pas pu se mettre en place aussi par rapport aux mauvais temps, par rapport à d'autres facteurs. Le Téléthon est toujours réussi quand il n'y a pas d'accident ni d'incident. Parce que ça fiche en l'air toute la manifestation. Et ici sur Miracle, c'est super aussi. On a eu un encadrement, il y a eu de... Quand il y a les motards, voilà. Il y a une discipline vraiment formidable. Donc, là, il y a un mangon fier qui a fait feu. Voilà. Voilà. Et au niveau national, on avait arrêté le compteur avec 84 millions d'euros et on atteint maintenant les 90 500 000 euros. Alors, on va faire un document qui indiquera toutes les associations qui partagent avec nous l'argent du Téléthon et qui bénéficie aussi des recherches qui sont faites. Allez, avec Simon, là. On y est. Encore une fois, là.